Et à que coucou YouTube, mais plus particulièrement coucou à toi, ami Hunter. Bienvenue dans le Nidura Talos le plus pimpé du MH Game. Bienvenue sur... Je me présente, Intelsan, streamer Twitch sur notamment du Monster Hunter. Comme tu le sais déjà sûrement, l'arrivée du prochain jeu de la licence aka Wilds approche à grands pas. Le 28 février 2025, plus précisément. Afin d'accompagner l'annonce de la sortie de ce futur banger, j'ai décidé de vous préparer un petit jeu concours appelé Question pour un Hunter. Concrètement, question pour un Hunter, qu'est-ce que c'est, me diras-tu? Eh bien, la réponse est simple, mon petit Billy. Imagine-toi, question pour un champion. Tu sais, la petite émission, là, avec Julien Lepers. Et après s'être pris un 360 noscope des familles dans la tête, s'est fait remplacer par ce bon vieux Samuel Etienne, aka The King of Valorant. Connard! Enfin bref, là n'est pas le sujet. Question pour un Hunter sera tout simplement un quiz réalisé en direct sur ma chaîne Twitch et qui portera uniquement sur le thème de... Monster Hunter. Il y aura un total de 20 questions reposant sur l'entièreté de la licence de ses débuts en 2004 jusqu'à aujourd'hui. Comme ça, on verra qui sont les vrais connaisseurs. À la clé, pour les 3 plus chauds d'entre vous, des petites récompenses sélectionnées par mes propres soins. Et crois-moi, si tu gagnes, mon petit Billy, je vais te mettre bien. Car le grand gagnant de cette première édition de Questions pour un Hunter repartira avec... un Hand Spinner MH Wilds. Ta gueule! Mais non, je déconne. Monster Hunter Wilds édition Premium Deluxe. Est-ce que c'est bon pour vous? Maintenant que j'ai toute ton attention, mon petit Billy, tu dois sûrement me dire « Mais Intelsan, comment qu'on fait pour participer ?» Du calme, Billy. Ne t'inquiète pas, c'est tout simple et c'est totalement gratuit. Ouais, je sais, je suis un mec comme ça, j'aime bien ralasser les gens. Donc, je disais, mon petit Billy, pour participer, c'est très simple. Il suffit d'une, d'être follower à ma chaîne Twitch et de t'inscrire sur mon Discord dans le channel dédié. Les liens sont en description. Mais Intelsan, là, quand c'est que c'est l'event? Question pour un Hunter aura lieu le dimanche 10 novembre 2024. Te trompe surtout pas d'année. Ça aura lieu à 14h30 et je le redis, c'est sur Twitch. D'ailleurs, en parlant de Twitch, mon petit Billy, je tourne cette vidéo le lendemain des annonces faites par rapport à Monster Hunter Wilds à la Paris Games Week. Tu le sais déjà peut-être, il y a des bêta-tests de prévu, bêta-tests auxquels je vais participer. La question ne se pose même pas. Donc si t'es intéressé de voir en action un chasseur vétéran, que dis-je, un PGM du karting dans Monster Hunter, donc le karting c'est la mort, hein. Peut-être que tu veux aussi savoir si Monster Hunter Wilds est un banger, oui ou oui, ou peut-être tout simplement chasser en ma compagnie avec les autres Billy également, eh ben viens tout simplement nous voir sur Twitch mec, je me demande pourquoi tu n'es pas déjà là d'ailleurs. Dans le Nidura Talos le plus pimpé du MH Game, on y est très très bien mon pote. Allez, viens. Bien. Ceci étant dit, et pour conclure par rapport à Question pour un Hunter, j'utiliserai sur Twitch un petit plugin appelé QuizKit pour tout simplement veiller au bon déroulement de l'event. C'est plus simple pour moi. Donc encore une fois, rien de compliqué, il suffit juste d'installer également l'extension QuizKit et d'autoriser le partage de ton pseudo. Sinon, je peux pas savoir si tu as gagné ou pas. Donc je te vois t'inquiéter là, Billy, mais du calme, je t'assure, ça va bien se passer. Si t'es perdu, normalement sur le Discord, dans le channel où tu dois t'inscrire, je le rappelle, pour participer, et c'est pas de filouter, ça marchera pas, et ben j'aurais sûrement fait des petits screenshots ou peut-être même une vidéo explicative pour te guider. Donc voilà, c'est tout pour le moment. Je t'invite également à t'abonner sur YouTube car je compte poster des petites vidéos par rapport à MH Wilds relativement régulièrement. Et puis en plus de ça, bah c'est gratuit quoi, ça mange pas de pain donc ne fais pas comme les autres gobelins radins. Abonne-toi mon pote. A plus dans le bus ou sur Twitch ou YouTube, c'était Intelsan dans le Nidura Talos le plus pimpé du MH Game et je te dis, peace out.